La bouteille blanche, c'est une initiative que l'on a prise avec Luc Reversade, de la Fruitière, et qui intéresse les sommeliers de, à la fois français, italiens et suisses des Alpes. Voilà. Et on leur propose un concours qui est relativement difficile et qui intéresse une dégustation de 8 vins blancs, d'une part, et après de 8 vins rouges également. Le blind test, c'est-à-dire que les bouteilles sont numérotées, bien entendu, on ne voit absolument pas les étiquettes. On sert chaque sommelier à un verre numéroté et on met le vin qui correspond. Et par la suite, il doit dire quelle est l'origine du vin, si c'est un Bordeaux, si c'est un vin français, un autre vin français, un vin du Languedoc par exemple, un vin étranger. Et il doit dire même le millésime, vous voyez, c'est pour ça que c'est très très difficile. Mais comme Val d'Isère est une station difficile, bien là, immanquablement, le combat de cette dégustation doit être difficile aussi. Les dégustations, c'est différent, quoi. Là, on est à 2600 mètres d'altitude, il y a du vent, il fait froid, c'est un autre contexte. Mais bon, c'était une bonne expérience. Je pense que je reviendrai l'année prochaine.